Talons les femmes de foi, cette plante va te permettre de tomber enceinte rapidement. Cette plante que tu es en train de voir va te permettre de tomber enceinte en peu de temps. Parce que tu sais, dans la vie, il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Lorsque nous avons parfois mal à la tête, nous partons en pharmacie pour aller nous procurer des doliprane ou d'autres médicaments que nous pouvons utiliser pour soulager un mal ou une douleur. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'avantage. L'avantage d'utiliser des plantes, car la Bible déclare dans le livre de 1 Timothée 4, 4, 5, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Cette plante va te permettre de tomber enceinte. Je te salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écris dans les commentaires, tout va bien. Chez nous, tout va bien, Jésus-Christ est Seigneur. Chez nous, tout va bien, l'Éternel est capable de te répondre. Il est capable d'utiliser n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quel moment et quand il le veut pour te bénir au nom de Jésus-Christ. Lorsque je donne les astuces, tu dois les utiliser avec foi. Tu dois avoir la foi, tu dois croire qu'en utilisant cette astuce, ça va me permettre de rentrer dans ma délivrance. Ça va me permettre de rentrer dans mon miracle, dans mon témoignage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette astuce est très facile à réaliser. Tu peux alors peut-être même avoir déjà cet ingrédient dans ta cuisine. De quoi auras-tu besoin? Tu auras besoin alors du yaourt. Tu auras besoin de quoi? Tu auras besoin de la cannelle. Ça, c'est la cannelle. Ça peut être la cannelle en stick, comme ceci, ou alors la cannelle déjà en poudre. Okay? Tu peux l'utiliser comme tu veux, n'importe quelle cannelle, mais c'est mieux que ça soit bio. Quand on veut faire la chose, il faut se faire. Quand on veut mieux faire la chose, il faut le faire soi-même. Alors, tu peux te procurer toi-même alors de la cannelle et du yaourt. Pourquoi pas le faire même toi-même pour te permettre de rentrer dans ton miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La cannelle alors peut t'aider à déboucher des trompes. La cannelle alors peut t'aider à rentrer dans ta fécondité parce que la cannelle est capable de t'aider de briser, d'enlever la stérilité dans tes entrailles, d'enlever les luttes, dans les combats dans tes entrailles afin que tu puisses rentrer dans ton miracle au nom de Jésus-Christ. Le traitement de cannelle va t'aider à te guérir de plusieurs maladies, liées alors à la stérilité, de plusieurs maladies et tu n'es pas seulement obligé de les prendre seul. Même quand ton mari a un problème de spermatozoïdes qui ne sont pas efficaces ou qui ne sont pas trop forts, associe la prière avec cette astuce, utilise-le et alors tu verras ce qui va se passer. Il y a beaucoup de maladies qui sont la cause de la stérilité que toi tu connais. Mais moi, mon problème, j'aimerais juste te dire comment tu peux utiliser la cannelle rapidement pour te permettre de tomber enceinte très, très, très vite. Alléluia. Pour te permettre de tomber enceinte très rapidement, c'est très facile. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu auras besoin de la cannelle. Tu vas utiliser ça différemment. Et comme je vais te dire différemment, c'est ainsi alors que tu vas l'utiliser. Un, tu vas utiliser le thé à la cannelle. Alléluia. Tu vas utiliser le thé à la cannelle. Le thé à la cannelle est très facile d'utiliser. Tu prends ton eau que tu fais bouillir. Une fois que de l'eau a bien bouilli, c'est vraiment de l'eau bouillante, tu fais descendre et tu prends alors 2 cuillerées à café de cannelle que tu as déjà moulues qui sont devenues alors en poudre. Tu vas le mettre alors à l'intérieur, tu vas bien touiller correctement et tu vas boire cela 2 fois par jour. 2 fois par jour. À un moment, je peux dire illimité, 2 fois par jour. Deuxième façon que tu peux utiliser la cannelle, tu vas prendre 1 cuillerée à soupe de cannelle que tu vas mettre dans le lait. Quand je parle de cuillerée à soupe, tu connais alors, je parle de la grande cuillère là, que tu vas mettre alors dans le lait chaud. Le lait que tu as fait bouillir, tu le fais descendre, tu prends ta cuillère, tu mets dans la tasse et tu mets à l'intérieur, tu touilles correctement, tu vas le prendre pendant 7 jours. Dans le mois, tu le prends 7 jours, tu fais passer encore 7 jours, après 7 jours encore, tu prends. Donc, tu les prends like 2 fois dans le mois. En espace de 7 jours, 7 jours. J'espère que je suis assez clair, de préférence après les menstruations ou après les règles. Tu peux encore utiliser, inclure
la cannelle dans tes aliments de tous les jours, en saupoudrant alors tes produits, tes céréales, tes flocons d'avoine, le yaourt. Tu prends le yaourt, tu mets alors une cuillerée à café. À chaque fois que tu consommes le yaourt, tu prends une cuillerée à café de cannelle, tu mets à l'intérieur, tu le touilles correctement, tu le tournes correctement et alors tu vas le consommer deux fois au moins matin et soir. Il n'y a pas de délai pour te dire combien de temps tu vas l'utiliser. Fais de ceci alors ta vie à toi. Fais de cela, consomme-le autant de fois que tu peux et l'Éternel se glorifiera. Reviens avec ton témoignage, nous allons danser ensemble et l'Éternel nous fera énormément du bien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je récapitule un peu, tu prends la cannelle, tu peux l'utiliser avec de lait, tu prends la cannelle, tu peux l'utiliser avec de l'eau chaude, avec une tasse dans une tasse. Tu prends la cannelle, tu peux saupoudrer dans tes aliments. Toi et ton mari, il n'y a pas d'inconvénient et l'Éternel, mon Dieu, te bénira au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te fasse énormément du bien. By fire, by force. Dis tout va bien. Dis j'ai compris, maman Clausel. Tout va bien. Je vous aime beaucoup et je dis à très bientôt. Shalom. Bye.